On dirait un karaoké, la réaction de Yanni après la prestation d'Anisha fait réagir la toile. L'étau se resserre pour les académiciens de la Star Academy. Le 26 novembre prochain, TF1 diffusera la grande finale du célèbre télécrochet. Déjà, et oui, avec l'arrivée prochaine de la Coupe du Monde. La première chaîne ne pouvait pas pousser le programme encore plus loin. C'est la raison pour laquelle cette grande soirée sera diffusée à 22h et non 21h15 comme à son habitude et ce, à cause du match argentique, Mexique programmé sur la même chaîne dès 20h. Une décision qui n'a pas du tout fait l'unanimité auprès des internautes. Ces derniers ont regretté le fait que la fin de la saison de la Star Academy soit bâclée, ils abusent à 22h. Ça fait tard, peut-on lire sur Twitter. Heureusement, il reste encore quelques semaines avant que l'aventure prenne fin pour les académiciens. En attendant, les téléspectateurs sont appelés à voter pour leur candidat préféré parmi les 4 nommés de la semaine. Parmi lesquels figurent Anisha, Julien, Siana et Stan, dont les évaluations n'ont pas conquis les professeurs. Mercredi 9 novembre, le nouveau numéro de la Star Academy diffusait les évaluations des apprentis artistes. Pour cette nouvelle étape, les académiciens devaient chanter une chanson tirée au sort une heure avant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont été particulièrement compliquées pour les élèves puisqu'ils ont été nombreux à avoir raté l'épreuve. C'est le cas notamment d'Anisha, qui est souvent première de classe. La chouchoute des téléspectateurs devait chanter au soleil de Jonifé. Sa prestation n'a pas du tout plu au professeur. Michael Goldman a notamment regretté le fait qu'elle pouvait faire beaucoup mieux. Adeline Toniutia, quant à elle, pointait le doigt le fait qu'elle exagérait tout. De son côté, Yanni Marshall a sans aucun doute été le plus dur dans ses propos. En effet, le chorégraphe a déclaré face à ses collègues, « Je n'ai pas compris. On aurait dit moi en karaoké. Je voulais vraiment que ça s'arrête. » Des propos qui ont vivement fait réagir les internautes, la tête de Yanni pendant la chanson d'Anisha. Les profs sont dépités MDR et Yanni qui dit « On dirait moi en karaoké », la réaction de Yanni c'était tellement drôle. Peut-on lire sur Twitter? Une séquence qui semble déjà culte.